aujourd'hui, je vais vous parler encore du télétravail. Donc, vous le savez qu'il y a très peu d'offres d'emploi en télétravail sur le web et que celles qui existent sont souvent destinées au profil très technique. Et aussi, il n'est pas rare que ces offres soient proposées aux candidats basés aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont plus avancés sur la question du télétravail, mais ils veulent des gens qui se trouvent dans leur fuseau horaire. Donc, comment faire alors pour travailler de chez soi? Il y a deux solutions. La première solution, c'est avoir un métier qui est très recherché, comme par exemple développeur ou designer, ou être un super expert de growth hacking avec les compétences quand même assez poussées. Un autre métier qui est très concurrentiel sur le marché, c'est le support client ou customer success specialist. Vous pouvez également être le vendeur en télétravail. Et bien, comment faire si vous n'êtes pas aussi fort dans les métiers techniques, ou vous n'êtes pas vendeur, ou votre anglais n'est pas aussi bien pour élargir vos recherches à l'international? Tout d'abord, il faut savoir que les entreprises qui acceptent les freelances en tant que télétravailleurs, ce sont plutôt les petites et moyennes entreprises. Aussi, il y a les entrepreneurs et même les influenceurs qui cherchent des personnes en télétravail. Donc, par exemple, vous pouvez devenir l'assistant virtuel et donc gérer toutes les tâches administratives d'un blogueur ou d'un influenceur ou d'un entrepreneur. Et moi-même, j'ai eu une assistante virtuelle il n'y a pas si longtemps, donc elle gérait toutes les tâches pour lesquelles je n'ai simplement pas eu de temps. Et la question de combien est-ce qu'il est payé ou est-ce qu'il est bien payé cet assistant virtuel, ça dépend vraiment des clients avec qui vous allez travailler et aussi le nombre de clients que vous allez avoir. Donc si vous avez 2-3 clients, ça peut être plutôt bien. Vous pouvez également devenir un expert de tunnel de vente. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui de tunnel de vente sur internet, mais les véritables experts de tunnel de vente, il n'y en a pas tant que ça et pourtant tout le business en a besoin. Vous pouvez également devenir le copywriter parce qu'aujourd'hui les entreprises ont de plus en plus conscience de l'importance du inbound marketing, de SEO, de gestion de réseaux sociaux, mais aussi de l'importance du texte en lui-même. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, créer vos propres formations en ligne ou être le coach en ligne. Accompagner vos élèves. Si le sujet de freelancing, au télétravail, la liberté professionnelle et financière vous intéresse, continuez à me suivre.